Ressaisis-toi. Ça ne te ressemble pas de calomnier et de diffamer. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Lundi Inspiré. Mon nom est Moroko Anani. Aime maintenant la vidéo, commente-la, partage avec quelqu'un pour le bénir. Abonne-toi et active les notifications. Lundi Inspiré. Te voilà en train de médire, de calomnier et de diffamer. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Te voilà en train de répandre de faux bruits. Et pourtant, cela ne te ressemble pas. Tu as toujours eu en horreur les médisances, les calomnies, les diffamations. Mais c'est toi qui aujourd'hui est malheureusement tombé dans ce piège que le diable, le malin, t'a tendu. Je voudrais t'exhorter aujourd'hui à ne pas oublier tes bonnes manières. Le monde t'a infecté avec ses mauvaises habitudes. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore te reprendre, mon frère, ma sœur. Tu es un enfant de Dieu, alors évite absolument de faire la compagnie de ceux-là qui s'adonnent à la médisance. Tu fais partie du peuple de Dieu, alors évite absolument de te joindre à ceux-là qui n'hésitent pas une seule seconde à répandre de faux bruits sur leur prochain. Voilà une autre manière pour toi de démontrer que tu es un enfant de Dieu et que tu fais partie de son peuple. Justement, Dieu avait donné cette loi morale à son peuple que nous retrouvons dans Exode chapitre 23, verset 1. La Bible dit « Tu ne répandras pas de faux bruits et tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. » Ressaisis-toi, ça ne te ressemble pas de calomnier et de diffamer. Voilà ce que notre Dieu veut de nous, frères et sœurs. Voilà ce qu'il veut de nous, ses enfants, son peuple. Qu'il nous vienne en aide. Amen. Si tu as écouté cette vidéo et qu'elle t'a béni, n'hésite pas à l'aimer, à la commenter et à la partager avec quelqu'un pour le bénir aussi. Abonne-toi maintenant, active les notifications. Bien de bénédictions, frères et sœurs. À la prochaine. Lundi Inspiré.